Vous êtes prêts? 3, 2, 1, go! Oh là là! Le magnifique silencieux à Cracovie! Non! Attention, synchronisation des sons. 1, 2, 3. Bonjour, public! Et vite! Gros, t'as remarqué, chaque fois que je commence une vidéo, il faut que je fasse le con. Il faut que je rentre dans le game comme ça et il faut que je mette une petite claque sur le cul de ma copine, j'allais dire, ma copine. Oui, bah ma copine, si tu veux, allez, c'est bon, fais pas la gueule. Gros, aujourd'hui, je pense que nous allons monter tout simplement le pot d'échappement que j'ai reçu la vidéo que t'as vue la dernière fois. D'ailleurs, je tiens à te dire merci énormément. Merci beaucoup, gros, hein, parce que franchement, j'ai fait plus de 1500 gemmes en une soirée, gros. C'est un record mondial, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Voilà, donc aujourd'hui, pareil, on a mis la GoPro sur la gueule, on s'en bat les couilles, on a mis le bonnet, parce qu'il fait hyper froid d'ailleurs. Je me pose une question, gros. Cet hiver, pour faire des vidéos, comment je vais faire? Parce que mec, il fait moins 1000 et moi, je suis un mec, j'ai tout le temps froid. Là, je suis gelé, là. Bref, passons. Aujourd'hui, gros, je vous propose une petite chose. Et si on essayait de monter le pot que j'ai reçu? Tiens, d'ailleurs, je vais te montrer vite fait, gros. Regarde. Si tu veux, là, j'ai prémonté la piémontaise. J'ai prémonté le pot, tu vois, avec son collier. Même le collier est beau, mec. Même le collier, il est chrome. Et il y a un putain de... le caoutchouc, il y a un caoutchouc, c'est pour protéger le pot. Logique, tu vas me dire. Comment il est fait, celui-là? Ouais, bah, tu sais quoi, c'est même mieux foutu, je suis désolé. T'es mal foutu. C'est même ça, c'est mieux foutu, parce que, gars, ça va... Comment te dire? Je sais pas si tu vois bien, là. Ça prend bien les bords, ça va pas bouger. Tandis que le haro, tu vois, t'as une petite bordure, tu vois, mais... Pas de quoi te casser la figure. Bon, allez, on arrête les bêtises. Je te repose une petite chose. Attends, je te repose une petite chose. C'est que... On fasse un petit démarrage, histoire de voir le bruit. Histoire de se rappeler un peu le bruit du haro. Donc voilà, vas-y, si t'es chaud, on démarre la moto maintenant. Et vas-y, on voit le bruit qu'elle fait. Bah réponds, enculé. Oh! Ah, j'ai fait chauffer avant, hein. Mais qu'est-ce que je fais comme ça, putain? Oh! Eh, le bruit dans le garage, il est magnifique, mon gars. Qu'elle fait! Imagine si elle fait encore plus de bruit que le nouveau pot. Oh, vas-y, je vais essayer de tout calmer là. Énervé le bruit, mais vraiment! Est-ce que t'as kiffé, gros? Perso, moi j'ai eu la demi-molle, hein. Autant te le dire que le jean a failli craquer. Bon, sinon, je t'en montre vite fait le pot. Voilà, je t'en montre vite fait le pot, gros. Franchement, la vidéo, je pense pas qu'elle va durer longtemps, hein, parce que ça va vite se monter, je pense. Et si on attaquait tout de suite, au lieu de parler dans le vide, là. Let's go. Ah, mais je suis à mes couilles. Enfin, ça va encore, mais... Waouh, c'est chaud. Tu vois, gros, c'est vraiment dans des moments comme ça que je kifferais avoir un caméraman. Ça casse les couilles, faire de la mécanique, gros. Et faut penser à filmer, changer de plan, nanana, nanana. C'est un truc de ouf, tu peux pas faire les deux en même temps. Vous pouvez postuler sur mon respect. Rigole, oh. Bon, le pot, s'il est brûlant, ça va pas le finir. Attends. Ok, là il y a un ressort. Comment on fait? Tu veux que je démonte le ressort? Je ne fais que me réchauffer les mains. Ouais, merde. Bon, comment on fait? Est-ce qu'on le monte en court ou on le monte en long, le pot? Parce que court, faut faire une pâte et tout, apparemment, et ça me casse les couilles, j'ai la flemme. Bon, tu sais quoi? Pour vraiment avoir l'équité, tu sais, genre pour bien comparer les deux pots, on va garder la sortie longue. Comme ça, tu sais, on est sûr, parce qu'apparemment, sortie courte, sortie longue, ça change quelque chose, tu vois. Donc au moins, on est su que ça bougera pas. Donc vas-y, on va prendre un petit ressaut. Est-ce qu'on a un petit ressaut ici? Ta gueule, Hugo. Bon, on s'est fait un petit ressaut en 2 minutes. Voilà. Je suis quelqu'un de doué. Ah non, en fait, je suis Dunkerque. cette blague-là, je la mets pas, hein, parce que là, faut que je tape vraiment la honte. Mais voilà, gros, fallait juste demander. Maintenant, nous allons... Décaloter le pot. Wow, putain.
putain, ce bâtard, il s'est sauté dedans. Allez, viens avec moi. Je sais que tu veux pas quitter le reste de ta famille, hein. Je sais que tu veux pas quitter le collecteur, hein. Mais c'est pour le bien du pays. Oh merde, en fait. Ah non, je rentraîne tout. Non, reviens. Persus. Oh, fils de pute. Wouh. Comment on fait? Comment on fait? Bon, faut juste tirer dessus, en fait. Allez, go. Prends tes muscles. Es-tu prêt? Ouh, c'est chaud. Ah oui, au fait, les gars, vous avez été près de 6 milliards, moi, je vous dis, sur Snapchat. Je suis content parce que, tu vois, Snap, pour moi, c'est le réseau social où c'est le plus simple. Et c'est là où je suis le plus actif, tu vois, parce que moi, j'ai Twitter, gros, mais gros, c'est le désert, hein. J'ai 50 abonnés, gros, je parle tout seul, des fois, hein, mais bon. Snapchat, tu vois, c'est plus rapide, gros, putain, il y a plus de monde et tout. Franchement, je le redis, hein, mais viens sur mon Snap, gros. Ce serait bien gentil. Mais d'abord, faut que j'arrive à enlever ce truc de... Non, pas ça. En fait, mais il est con, Saro, mais... T'es con ou quoi? Je veux pas que tu t'enlèves d'ici, petit pecno de mort. Mais je veux que tu t'enlèves d'ici. Mais gros, je peux pas. Ah ouais, si, vous les gars, je voulais vous dire un truc. Pendant que j'essaye de démonter cette merde, j'ai de plus en plus envie de faire l'amour avec vous. D'acheter du motocross. Je te jure, les gars, putain, en plus, c'est l'hiver. Genre, j'ai trop envie d'acheter un gros cross là. Bordel. Moi, j'aurais l'argent, je l'aurais fait. Je sais pas, c'est toujours rêvé d'avoir un cross. Je te jure, hein, j'en ai eu quand j'étais petit, en fait. Et j'ai pas pu profiter à fond parce que j'avais peur. Tu sais, j'allais dans un terrain de cross de sable. J'arrivais là-bas, mon pote. Une coulante dans le slip, ça traînait par terre, gros, on me suivait la trace. Non, sérieux, j'avais trop peur. Donc maintenant, j'ai plus peur, toi. J'aimerais bien rouler en terrain de cross et tout, faire de l'enduro et tout. Oh là là. Ça fait cliché, gros, tous les youtubeurs ils font ça, mais ça défonce tellement, en fait. Je sais que tu veux pas être avec ce pot de Banggood. Mais j'en ai rien à foutre de ton avis. Tu vas être monté avec. Bon bah les couilles. On va essayer de mettre un petit coup. Au cas où s'il saute comme ça. Petit coup comme ça. Bah en fait si on prend un tournevis ça sera peut-être mieux. Ah bah ça sort je crois. Et voilà que je me fais chier depuis tout à l'heure moi. Il sort. Yes. Je l'ai eu. Wouh. Ok bah désolé je peux m'apercevoir tu vois que j'aurais bien dû mettre un petit bout de caoutchouc derrière. Pas maintenant. C'est pas nickel pour maintenant. Hein. Mais si tu veux, le haro il est assez flexible, tu vois, il bouge. Donc ça devait toucher un peu le brossillant. Bon, par contre, toi, tu vas te remettre bien direct dans le droit chemin, hein, gros, je te le dis, gamin. Bon, qu'est-ce qu'on fout? On met un coup de masse dedans ou pas? C'est quoi, on va comparer le poids tout de suite des deux engins de guerre. Je vais te dire honnêtement, imaginons, c'est des haltères. J'ai mal à dire, gros, franchement, j'ai l'impression que c'est le même poids. Par contre, lui, il est beaucoup plus gros. Je vais juste voir par curiosité là s'il passe. Ok, bon, bah ça va être plus compliqué que prévu, je crois. Fais chier. En vrai, à part comme ça, gros, je sais pas comment je pourrais faire pour monter. On démarre sans pot ou pas? Si tu t'es déjà demandé quel bruit la moto a rossi elle faisait, bah tu l'auras. Enfin presque, c'est un crossplane et vu que rossi il a pas de silencieux, ça va gueuler. Oh j'aime pas. Oh c'est pas beau comme bruit gros. Oh mais... Dégueu. Moi j'aime pas du tout. Non bah gros je suis complètement baisé là. Je voulais trop tester le bruit qu'il faisait ce bâtard. Faut trouver une solution. Je sais pas moi, faut trouver une solution. Je sais pas moi, imaginons, hop ça c'est le pot. Il rentre dedans mais avec du jeu. Et inversement, comme ça. Bim. Qui rentre dedans avec du jeu. Et j'y mets un ressort. Et déjà gros, t'as vu? Mais gros, je pense pas que le ressort il va aller jusqu'à là. Hein. Juste pour le fun, gros. Histoire de te montrer quand même le bruit. Parce que le but c'est quand même d'écouter le bruit, t'es d'accord? Bah, je vais le monter comme ça avec les ressorts. Mais tu sais quoi, on va essayer. Parce que, hein, on n'est pas des. T'as cliqué sur la vidéo, je pense que tu veux voir le bruit qu'elle fait. Donc vas-y, on va essayer, gros. Au moins, on aura. Tu vois, on saura le bruit que ça fait au moins. Ça sera peut-être pas aussi propre que comme ça devrait être, tu vois. Mais moi, plus tard, je vais le faire moi-même. Te dis, faire la mécanique en filmant, c'est la grosse misère. Faut juste que j'arrive à mettre le ressort ici. Oh, ça va être chaud. Oh, mec, ça va être chaud. Putain, gros. Moi qui avance, bordel! Ça va être chaud. Ça va être mort, je pense. Non, on va y arriver! Je me tiens. Ah, j'ai une crampe! Ah, gros, je te jure, moi, c'est épique là! Gros, j'ai tellement forcé pour sur la jante, gros, j'ai une crampe! Lol. Est-ce qu'on va pas essayer le bruit du pot? Ouais, ça ira pas, gros.
C'est repas, gros. Je veux y arriver, gros. C'est mort. Je rappelle que c'est purement provisoire. Hein. Et je vais pas rouler comme ça, je vais remettre le haro, de toute façon, moi. Mais pour le circuit, je veux dire, ce sera bien monté. Bon. Voilà, gros. Bon, sinon, qu'est-ce que t'en penses? Ça a de la gueule ou pas? Bon, le haro est quand même plus beau, hein, mais c'est pas moche. Je propose qu'on fait le premier démarrage. On va démarrer, gros, mais à mon avis, le bruit, ça va fuir, tu vois. Are you ready, fucking ready? Ouais, à mon avis, ça va. Hey, sérieux, gros, ça fuit pas? Mais genre... Ah ouais, y'a la chicane aussi, je suis con! Bah ça fuit, mais un tout petit peu, sérieux, je m'attendais à pire. Attends, tu dégages? Pas mal! Eh ben c'est pas mal du tout, mon gars! De toute façon, les gars, comme je vous ai dit, hein, c'est de l'adaptable, c'est pas pour la NT07. C'est pas pour une moto. Donc en gros, si t'as pas de thunes, t'es bricoleur un petit peu, gros, qu'est-ce que tu te fais chier? Achète-toi un petit pot pas cher, et moi, en vrai, j'aurais dû le faire, je suis con. Bon, après, voilà, c'est un petit peu moins beau que le haro. J'aurais peut-être dû essayer. Après, il y a les plus beaux que ça, hein. C'est pas le plus beau. C'est quoi, on va voir la chicane, parce qu'on en parle trop. Tu vois, encore un truc bien, c'est que la chicane, gros, ben, elle s'enlève super simplement. Mysterious. Ok, la chicane, elle va dégager, gros. Mais gros, ça sent le McDo. Wow. What is that? Bizarre, hein? Il y a des bouts de laine de roche dedans. Ah! Ah! Encore un truc bien, tu vois, que t'as même... Bah, t'as même pas ça sur les pots normales, tu vois. Donc t'as la chicane normale, que tu peux enlever, avec la vis qui est ici. Et t'as une autre petite chicane, gros. Tu vois, au bout. C'est obstrué, je crois, c'est ce que ça se dit. Ouais, c'est bouché en gros. Et t'as une vis, tu peux l'enlever si tu veux. Donc en gros, tu peux avoir une chicane déchicanée et tu peux avoir un pot déchicané complètement. Donc c'est pas mal. On démarre? Allez! Ça va gueuler là. Eh, le bruit, j'aime bien. Eh, il est plus rock. Il est plus rock que le haro. Là, il fait plus bap bap. Ah, le bruit, c'est pas le même du tout. Non, sérieux, gros, écoute. Félicité les gars, on a réussi. Méthode blédard, gros, mais on a réussi. Je m'en bats les couilles. Je vais couper la vidéo, je vais faire une petite exclue pour Snap. Bon bah gros, c'est bon, la vidéo est terminée. Donc voilà, t'as pu voir le bruit, la différence. J'espère que t'as pu bien entendre. Pour moi, le son du pot Banggood, le pot chinois à 40€, pour moi, il est pas pareil. Pour moi, genre, il est plus rock, il est plus... ouais, je sais pas comment expliquer, il est plus... Il est plus rock et plus aigu, le haro, que celui-là, voilà. Oublie tout reste, c'est juste ça qu'il faut retenir. Voilà, c'est vraiment bédard, là je vais pas rouler comme ça, je vais remettre le haro et quand je vais aller à Lezen, je le remettrai bien fixé, je vais mon père il est soudé dedans, donc ça devrait aller, tu vois, on va essayer de faire un truc bien propre. En cours, version courte, bon, je vais essayer en version courte, ça peut être pas mal. Oublie pas de m'ajouter sur Snapchat si tu me suis mes aventures, mes conneries, mes délires, mais de la merde gros, vas-y, viens même pas sur Snapchat, ça pue du cul, bah ben, mais viens pas gros. Que la vidéo est finie gros, tu peux mettre un pouce bleu, ça serait super sympa, tu vois, ça me soutient si on fait comme l'autre fois gros. Bref, pouce bleu, abonne-toi, c'est trop important. Abonne-toi, c'est tout, qu'est-ce que je te dis, abonne-toi. Voilà gros, donne-moi des idées, si t'as envie que je teste d'autres produits, des conneries, je sais pas, genre un pot, toi, c'était le truc le plus banal que j'aurais pu tester, tu me le dis dans les commentaires.
Voilà, si t'as des idées de vidéos et tout, tu me dis dans les commentaires. Je lis tous les commentaires de toute façon. Te dis pas genre. Hein, je mets pas de commentaires, Hugo va pas le lire. Je lis tout, gros, je lis tout. Ok, gros. Allez, vas-y, je te laisse là. Bye bye, à la prochaine. Ouais, hey, gros, m'en bats les couilles, hein. Je fais du winning à 200 moi aussi, il faut. Il a dit Hugo, prends-moi s'il te plaît. Et fait bon. C'est à tes risques et périls. Il est monté, depuis il y a une trace de frein, ça part pas au Javel. Au Javel, au pétrole, au quartier, gros, il y a une trace de frein. Elle pue, elle bouge pas. Bref.